Bonsoir. Bienvenue dans Haïti 5 à 8. Invité nous rassurer, c'est sénateur Jacques Sauveur Jean, sénateur Nord-Est, PHTK. Assoya, non seulement nous parler avec le sénateur République là sur l'actualité politique là, mais nous pouvons parler surtout avec le producteur Diri dans Nord-Est là. Côté que, avec les décisions que le gouvernement prend pour que les subventionner. Quatre importateurs du riz, côté que Libao des subventions sur le bateau du riz. Oh, déjà, il y a un pile plein qui a fait, et surtout dans les producteurs locaux qui ont une décision ça, une décision qui peut être capable de gagner gros conséquences sur la production du riz qui a fait dans le pays. Monsieur le sénateur, bonsoir. Bonsoir, téléspectateurs, téléspectatrices et fanatiques Jacques Sauveur-Jean qui toujours dans la vie, ma première. C'est un plaisir pour avec nous. Merci, sénateur, parce qu'on s'est avec nous. D'abord, on va entrer dans le sujet d'IRIA. Nous connaissons même ces offres, ou planter du riz. Faut-il parler nous de l'activité ça, que vous même fait? Bon, c'est une très belle activité. Elle concerne surtout ça qui est en valeur au monde. Puisque, pour reprendre camarade là, existence vient avant essence. Donc, pour qu'on qualité au monde, il faut qu'il existe d'abord. Donc, il y a une chose qui garantit l'existence au monde, c'est l'agriculture. Mm-hmm. Puisque quand on fait, quand on ne fait pas, on vit de lui. Par contre, il y a un monde qui ne mange pas chaque jour. Et dans le cas de nous, la filière du riz, hein, c'est une filière qui a besoin beaucoup plus d'attention, puisque 99% haïtiens mangent du riz la caillou chaque jour. C'est une obligation. Dès qu'on est dans le restaurant, et même les étrangers qui viennent, haïtiens, invités là, ou à goûter du riz, ou à prendre du riz, que le local, que le riz importé, du riz a venu au plan national. Mm-hmm. Donc, il y a un bagage que 99% des citoyens pays a consommé. Il y a des gens qui consomment uniquement, des gens qui consomment grandement, des gens qui consomment à petit boucher. Donc, mm-hmm. Mais l'essentiel, il est sous toute bouche chaque jour. Donc, c'est un produit pour que tout le monde en général doit prêter attention à lui. Il y a une filière ça que mieux. Tout à fait. Donc, dans la zone côté je sortis, Bamaribao, c'est une zone qui est dans les principales, c'est du riz. Puisque la potentialité de 12 000 hectares, si que vous exploitez, ça va avoir une quantité de du riz que vous ne pouvez jamais imaginer si vous faites dans bonnes conditions. Mais comme c'est 2 000 qui sont en exploitation pour l'instant, nous vivons, bien entendu, de spécialement planter du riz dans la zone Bamaribao, dans le département Nord-Est. Mm-hmm. Mais maintenant, conditions pour nous faire du riz, très mauvaises. Parce que du riz sont éléments pour faire. Il faut qu'on gagne de l'eau en plein temps. Okay. Même si on n'a pas servi à de l'eau en plein temps, mais il faut le disponible. Faut le disponible pour que vous fonctionnez avec les gens qui veulent retirer, rentrer. Arrête qu'on veut. Arrête qu'on veut et mm-hmm. quantité qu'on veut. Ouais. Donc là, ça, on va parler d'une zone qui est capable de produire, par exemple, 5 à 6 tonnes à l'hectare. Si on continue à fonctionner à l'instar des Dominicains, parce que le monde s'est tellement avancé dans l'agriculture. Mm-hmm. Donc, comme nous, dans la frontière, nous, on prend au deux et puis on a mené. Puisque mm-hmm. la Thibonite, par exemple, on a besoin que vous fait 1,8 tonnes à l'hectare, mm-hmm. 2 tonnes à l'hectare. Ça veut dire déjà, dans 100 pays, dans le département, côté que du riz a supposé une meilleure réputation, mm-hmm. pas capable d'oser faire quantité de du riz que nous-mêmes avons fait dans Nord-Est. Ou même personnellement, combien de surface on peut exploiter? Nous sommes 75 hectares. Okay. Et même sur 75 hectares, là, si je parle de 4 tonnes à l'hectare, donc ça boit à peu près 300 tonnes par récolte, et c'est de l'argent. Donc okay. c'est du travail parce que là, ça a fort qu'on employe près de 200 personnes pour qu'elles font récolte. Le récolte prend combien de temps? Il prend 3 mois, 20 jours. Le okay. temps que le bateau du riz a sorti, Vietnam. Le bateau du riz a sorti, oui. ou que tu as planté, ou fait, ou oui. récolté. Et non seulement ça, ou créer des jobs, ou gagner mm-hmm. un produit qui fait la caillou, ou gagner un bon encadrement, ou grandir avec une nourriture que la nature même t'a qu'à conseiller, ou parce qu'au fond, tout ça qui est levé dans l'environnement, ou fait de ou même un élément plus brillant. Donc, ou un bon avantage, et puis là, le final, ou un pays en bonne santé. Il y a un pays côté que comme d'un citoyen qui a dit oh mais dépendant ça que tout le monde mange la caméra au moins qui va guetter au planter sur en ferme pas là comme je disais tantôt qu'on fonctionne à l'instar des Dominicains. Les Dominicains mieux avancés que nous dans la variété que ils produisent, donc chaque fois que ils viennent avec un nouveau une nouvelle variété, c'est les mêmes que nous. Actuellement là c'est Prosecusa, avant c'était Roma, donc c'est tout ou après même sonnet dominicain. C'est-à-dire que parce que vous partez dans avec eux dans ce sens ça. Mon cher, un partenariat tout à fait naturel, puisque voisinage, c'est famille.
Okay. Tu vois, le camp à côté de frontière là, ou regardez, ouvrez les yeux, bon là, quand il est tout vert. Et vous content, vous dites, monsieur. Et puis, on est à Ticou le vêtement, ça, sous, qui a penché sous l'île, qui a vu un petit gens plus sous tout, mais là, vous voyez, au bon, la caille, bon, là, où elle tout sèche. Parce que, ou pas gain de l'eau, ou pas gain l'État qui prend responsabilité, parce que pour faire du riz, je parle tout à l'heure de système hydraulique qui est supposé en bon état de fonctionnement. Ça veut dire qu'il faut qu'on gagne de l'eau en plein temps. Donc, c'est irrigation, c'est aménagement de territoire. Nous, gain rivière. Quand on va mettre vaisseau dans un noir? Parce que vous dites que c'est sa caravane qui a fait. C'est pas l'eau de caravane. Déjà, je dis que son système qui pourra le monter pour capable de faire soucier et pays mm-hmm. dans de mauvaises conditions. C'est pour ne pas avoir un rapport avec le peuple, avec le développement. Mm-hmm. Donc, je me dis là, nous peut-être pas de comprendre, mais nous en mi-temps ou bien nous en fin. Et on va regarder bien le résultat pour le produire exactement ça que le produit a. On l'autre caravane, qui j'en ai dit, il pas car. Caribé, caravane, caravane. Ou de le mettre plutôt caribé là-dedans, c'est quoi mon bien? Non, pas plutôt caravane. Parce que je vais faire là. Caravane B. Parce que son bail est comme ça, le voyage. Ou alors, le gros enquête sur lui qui a débauché sur qui quantité de corruption. Combien de temps on a affilié ça? Depuis petit, il y a 52 ans d'âge, mais parents, tout arrière, grands-parents, dans la zone là quand même. Vous levez là-dedans? Je me levez là-dedans. Okay. Pas agronome, même pas capable de mentir. Parce qu'un agronome qui a fait une bonne côté, je vais dire qu'ils ont fait du riz. Plus passé, non? Ça veut dire depuis en 2008, tu as gagné émeute de la faim. Président Préval t'a fait venir parler importateur du riz pour qu'il te négocie ensemble avec eux. Depuis là, ça, tu as suivi l'actualité. Il doit inviter mon premier. Et d'ailleurs, je dis bien, le premier tracteur que j'ai gagné, c'est le président Préval qui t'a fait. Et on donne à l'organisation que je la donne. C'est le tracteur, ça toujours, et si ce n'est pas seul tracteur qui était vivant, qui travaille toujours dans la filiale, dans la zone. Ça veut dire 11 ans après? Nous ne pouvons pas faire rien pour que nous valorisions ces filières, si développer. Si ce n'est pas dominicain, nous sommes tombés dans le tchouboum déjà dans la zone. La preuve, il y a une rivière qui est le massacre, qui c'est la qui, principale rivière qui desservit la zone frontalière. Okay. Dominicain, il y a deux prises que vous faites sous la rivière massacre qui permettent que vous irriguez à soft, à douce net. Vous avez à peu près 6 à 7 prises jusqu'à 8. Que au prince sous rivière massacre là, on rivière que nous partageons, mais nous-mêmes, l'État pas nous, pas jamais, malgré que le président, avant le président, tu as un contrat avec compagnie pour te faire canal pour permettre que nous joignions prise sous rivière là, jusqu'on est à 2 ans après le fin président, il ne faut jamais faire. Qui compagnie? Agritrans? Agritrans. Oh. Il faut que j'aime faire et pas même penser. Alors, c'était un contrat pour qu'il te fasse de l'eau venue dans la rivière Massacre. Canaliser, la mettre sur. Canaliser, la rentrer dans plein temps. Ordinairement. Il va en faire ça? Il va en faire. Je ne sais pas quelle difficulté le rencontrer, mais techniquement, quel que soit ça, le rencontrer comme difficulté. À qui est-ce que tu as un contrat? À qui est-ce que tu as un contrat? À l'État haïtien. Oh. Donc, okay. On est comme le président, je pense que depuis le fin de juillet, dans lundi, dans mardi. Il t'a pas le faire, mais 2 ans après, la caille, moi, elle promet mon yo pour Pâques. Et l'année dernière, canal là, bien tant fait une fête. Et puis, on y a chaque fois, on y a eu, même si ce n'est pas cabri ou bien ce n'est pas cochon. Parce que ça a passé plusieurs fois. Donc, ce n'est pas un problème qui n'est pas qu'à résoudre, ce n'est pas un bagage qui n'est pas qu'à faire, mais l'essentiel, c'est une volonté pour le faire. Donc, face à la difficulté, ça y a, moi-même, toujours à faire des démarches. Par exemple, je suis allé à Taïwan, je dis à Taïwan, président en Nord-Est. C'est grâce à la démarche que je suis allé dans la délégation de sénateurs qui est allé en premier, puis son délégation avec le président. Nous sommes allés, donc Taïwan présent pour monter un centre de semenciers qui permettent que gagner des bagailles qui en perspective. Mais, quel que soit les gens qui voulaient faire du rien, si vous pas gagner de l'eau d'abord, ou gagner de terre, ou gagner de l'eau, et qu'on y a un train, et puis une connaissance, expertise, mon cap fait là. Est-ce qu'on pense, sénateur, autorité par bon ici, pas qu'on ait une volonté pour développer la filière en Haïti? Ce n'est pas volonté, il n'y a pas capable. Comment ça? Il n'y a pas capable. Parce que pour une classe, pour passer l'examen, il faut capable. Ce n'est pas volonté, pas non, il n'y a pas réussi. Alors, penser que le président, même pour tout le monde, il y a des gens qui ont dit là, c'est capable, il n'y a pas capable. Incompétent? Capable, pas capable. Parce que pas un monde qui a un bon temps de soit le filon fille ou t'as un pas bon. Comme c'est Flanorian pour comme ça. Même si vous avez 25 filles déjà, mais de vous jouer non fille ou le filon ou t'as un bon, même si vous avez un même bon, mais si vous avez bon, c'est parole. Est-ce que c'est expliqué avec ce que nous avons, monsieur le sénateur, que l'autorité nous a pas de capacité. Incompétence. Pas un monde qui échoue par exprès. C'est pour le peuple à suspendre, comprendre que c'est exprès que vous faites.
Parce que pas un monde qui n'a jamais échoué. Réussite difficile, tout, Robinson, regardez bien pour eux. Quantité d'efforts pour faire pour réussir. C'est de même que échec pour échouer tout, c'est pas mal à faire par exprès. Maintenant, comment on comprend une décision que le gouvernement prend pour que l'autorité prend, et notamment le président, les réunit avec l'importateur du riz, le premier ministre en tout, et que ils financé quatre importateurs du riz. Entre-temps, ils ont méprisé tout producteur du riz. Ça veut dire que c'est ça que vous n'êtes pas capable là. Non, mais. Ils ont dit parallèlement qu'ils ont financé l'importateur du riz étranger. Ils ont avec les producteurs de coyote. Ils ont avant. Ils ont dit bien. Regardez, frère, bien. Non, c'est pas dit qu'ils ont mais ils ont. Regardez, en aucun cas. Il y a des mesures qui prennent tout. En aucun cas, comme ça. OK. Pour qu'ils comprennent ce qu'ils ont dit. Ils ont financé l'importateur du riz et ils ont comme producteur. Ils ont subventionné. Oui, non, ils ont gardé. Ils ont pas subventionné. Parce qu'il faut arriver sur nous. Non, il va faire une raison pour nous. Il faut que nous qui parle avec. Pas qu'à Jacques Sauvergeant, dans Samuel là dans Dury, non seulement au Sénat de la République, président de la commission agriculture, et, agriculteur, entrepreneur, et puis beaucoup de gens qui arrivent sous moi, qui disent, attendez, non, ça va. Probablement, ce n'est pas seulement. Cap, la Tibonite, là, qu'on y a là, ou par attitude Charles Suffoie, qui est un grand planteur du riz la Tibonite. D'abord, même si on est arrivé sous lui pour te vraiment poser problème la Tibonite, ou on pense qu'il a dans la rue, il a dit qu'il a protesté, manifestation toute la journée. Il peut démissionner tout dans le comité de facilitation. Ça, lui-même, il toujours à attendre à ça. Charles Suffoie, on est de la même école, il y a un fonctionnement avec ça. Ouais, bah, ça. On ne peut pas changer Konajek, coordination action Jean-Claudis. Au nom de la société. On prend le président, font coordination pour régler que affaire. Le pays n'a pas qu'à régler dans la parole, un petit groupe monde comme ça. Nous avons vu ça, nous faut tirer dans le durée toujours. Maintenant, qui consommation locale là, qui production locale là et quantité nous importée? Mon cher Bamdou, très difficile qu'on ait tant qu'on a dit qui quantité nous importée. Même qui consommation locale là. Parce que, premièrement, je ne suis pas qui est trop brillant en chiffres. Okay. Mais je suis un grand stratège, je suis un idéologue, je suis un qui croit dans une série de bagages. Mais ouais, pour parler de questions, je vais les madame moi et puis me dire si tu as répondu moi parce que c'est lui qui fait chiffres, etc. Même cadeau à peu près, ça va passer. Pour me connaître qui quantité d'importation, forcément que tu vas importer. Dans n'importe quel pays sérieux, le monde qui peut importer du riz à ses producteurs. Ça, parce que c'est le compte qui quantité le produit combien il manque. Oh. Ordinairement. Ok. Normalement. Ça veut dire que tu dois gagner une relation entre ça, nos produits, à ça, n'a pas importé. Exactement. Parce que pour qu'on soit besoin en plus, il faut qu'on ait une quantité au gain. Mais c'est combien vous importez beaucoup plus que nous avons besoin. Vous importez beaucoup plus. 90 ou 95% de durée à consommer, c'est importé ou importé. Mais on va pouvoir toutes conditions réunies. Parce que le premier grand consommateur qu'on gagne, dans la phase d'un pays qui n'a état de, comme Zimdadou, de Muni, Jean-Noué, là, tout le monde, et pour ne pas remarquer chaque fois qu'on a un problème politique ou bien un problème, autorité à monter un pile du peuple, là, comme Zimdadou, vous voulez acheter du riz pour nous. Le président a fait son leur. M'a acheté 12 000 tonnes de riz. Comme si le premier ministre m'a pas où. Et puis le premier ministre là tout même bagaille là tout. Comme si pour eux, même les gens qui sont là, ils ont un problème du riz. Okay? Et ont besoin seulement manger du riz. Mais au fond, il y a une politique qui peut être bien définie, conditions pour que du riz rentre, pour du riz exister. Ou pas qu'à dire que les gens qui n'ont pas rien pour avec la production, c'est le qui. Bon, même en grès. Les gens qui n'ont pas rien pour avec. Bon, même de l'eau même. Pour t'avenir, c'est naturellement. Nous consommons là environ 500 000 tonnes de durée. Nous faisons entre 80 000 à 120 000 tonnes de durée. Donc, si vous comprenez bien, bon, c'est vrai que nous ne sommes pas capables de payer à manger dans la durée de fer, ça, au clair sur ça, et ou pas contre ça. Nous ne devons pas importer plus que ça nous besoin pour la population manger. Bamdou, on va être capable d'éviter les producteurs locaux qui ont tout fait. Ouais. On vient avec des chiffres parce qu'on sont un journaliste bien, n'est but de ce qu'on parle. Moi-même, dans la production, je fais réserve sur des chiffres exacts. Tous ces chiffres-là qui sont officiels. Qui sont officiels. Même si je dis un petit simple. Si moi, c'est producteur du riz, je gagne une large consommation de ça que je produis dans la société. Okay. Moi-même, avec l'État, je dois être toujours en consultation pour capable permettre que non seulement l'homme qui stocke du riz m'évacue, et réinvestir l'argent tout dans la filiale pour permettre non seulement de créer des jobs, mais aussi pour subvenir à besoin nécessaire à la population. Vous avez difficulté pour écouler du riz à Kito? Évidemment, tout dépôt est toujours chargé. Oui. Pendant que les gars veulent acheter du riz comme ça, il n'y a pas parlement d'eau sous rien pour vendre, non?
Et m'a dit ça actuellement là au gédurin. Ça j'ai duré dans des bombes parce que me fait durer chaque 3 mois 20 jours. T'es qu'on le t'es qu'on petit clash ou bah ça puis tu fais stage ton petit durin là même. Yo courir publier chèque là. Malgré que me vend yo à un prix réduit, yon bagay que me devant yo $50 par sachet, moi vend yo $40 parce que yo mande ça relé discount. Yo yo et puis yo courir prendre la rue dit yo t'acheter 50 durin là même et que ça suffit. Mais l'on nèg a produit du riz. L'on a produit, l'on population a consommé chaque jour. C'est au quotidien oui, qu'on doit acheter dans la boutique. Là, je comme exemple, parce que c'est ensemble avec moi. Mm. Si bien comprendre, il y a un bon planteur et producteur qui ensemble avec vous, qui charge du riz dans le stock. Du riz dans le stock et qui soutient bah, les meilleures conditions pour faire du riz. Il y a plus toujours du riz. Mais on voit que n'y a pas fait souci pour le monde. Et même la banque pour joindre comme prêté dans la filière agricole ça, pour capable planter du riz, des grands crocs la donne. Parole en pile qui carré pas un papier ou gain qui normal pas un papier ou gain qui pas manque un point et n'importe point le manque voyou pour 3 ans qu'on pour marcher dans institution et puis là il finit le grand mépris et puis là il finit par l'avoir le comment relé moun sa yo et moun qui occupé de crédit alors officier crédit a par l'avoir c'est comme ta dou c'est le plus grand mépris là dans la filière de agricole goyé et pas regarder que là par l'avoir ah on va t'acheter du riz habitou. L'agriculture, tu as dit, moun qui peut t'encourager, et l'État tout, l'on a côté l'État, on parle avec l'État, nous sommes dans le Parlement, on a fait nos séances, on a l'heure de l'énoncé de la politique générale du président, je fais exprès, je viens dans un sachet du riz même, du premier ministre, je produis une espèce pour un document. Mais il t'a parlé avec moi déjà après 6 mois, le premier ministre. Il t'est arrivé sous mon jour pour nous parler de tout le bagage, mais jamais de production nationale. Or, il est premier ministre. Ok. Est-ce qu'on est capable d'ici ou encadré ou capable de doubler production? Triple. Bon, je prends responsabilité de. Ou est-ce si que j'ai un moyen nécessaire avec la vision que j'ai en tête, mais là, les moyens nécessaires, nous réduit, nous avancer sur l'importation. Nous arriver dans une période de 10 ans, 15 ans, à 80% de production nationale pour nous sortir directement de l'importation. Jacques Sauvage, un grand pile monde Cap-Gado là, qui est quoi, mais qui est monde dans le pouvoir Cap-Gado là. Si on a débloqué pour, en termes de prêt, pardon, bien entendu, $1 million. Soit pas le favel pour développer des trucs. Bon, ça avec douette, moi, je fais tout ça, je fais là. Ça veut dire avec centimes, beaucoup de gens jouent dans le monde qui vient, qui dit non. Ou pas de machine, ou pas de. Même, il y a tout le bagage, ça, mais c'est parce que je me concentre tout ça que je comme stratégie à avoir pour m'acheter, ou même plus avancé que l'État de manière presque générale, dans la filière ridicule là. Parce que moi, le président a acheté 2 petites machines, limité sous la Tibonite, moi, je fais 2 machines de ce genre. 2 mêmes machines, ça y est, limité tout pour la Tibonite. Bon, moi-même, j'ai 2 navires pour moi. Ça veut dire que j'ai un tracteur, moi, j'ai tout. Mais, et ceci, ça, c'est avec moi, à le chanter, chercher, joindre des amis, aider, travailler, vendre du riz. Et puis, c'est indépendamment de l'État. L'État ici, pour que j'aime bien mon assistance directe. Bon, le pire, c'est que le président l'a quand même plusieurs fois. C'est pas un M. Gavel. Ça veut dire que d'ailleurs, avant le président, il a quand même un bon café chaque matin. Donc, il connaît le compte, il a des conseillers, même pour dire mon cher, mais qui ça vous fait. Certes, il a toujours dit mon cher filière, ça nous connaît qu'il y a pile de difficultés là-dedans, mais il était toujours conseillé de planter banane pitot. Il me dit, monsieur, non, moi, c'est du riz, parce que les bananes sont produits périssables. Ou pas le pourri, t'as l'air comme ça, du riz. Ça veut dire que le président devait mettre banane seulement sur toute terre dans le pays. Ou pas des bons figues, fait 3 jours, ou pas vendre le pourri, oui. C'est ça qui a passé le pays. Donc, si je comprends, décision ça, autorité prend pour subventionner 4 importateurs, il y a plus d'impact négatif sur le travail ou même en tant que importateur local. Ça va faire plus de tort à payer. D'ailleurs, Mabdou, depuis que vous faites ça, ou bien, depuis que vous avez l'argent, vous avez fait ça. Depuis que vous avez l'argent, même si c'est au nord, et où tu dis que l'aller, il faut aller à l'est. Parce que l'argent, son moyen pour permettre que vous mettez derrière quelle soit la direction pour aller. Donc, c'est pour le moyen. Et si c'est un pays qui est en compétition, d'ailleurs, tout le monde connaît que filière du riz a son filière, toute loi faite, l'arrivée des Américains dans la question du riz, puis gros importateurs pour Américains, puis gros consommateurs. C'est même le Vietnam, moi-même mal au Vietnam personnellement, je me rencontre avec le gouvernement vietnamien, il a dit, le ministre de l'Agriculture vietnamien, il n'y a pas qu'à comprendre que yo offre à Haïti une coopération en 2 volets et en 2 temps, il y a une façon de négliger complètement.
En premier, que le carbone a duré à meilleur marché pour permettre de faire face à la pression marché. Et en deuxième, pour produire du RIA, il y a un tracteur, il y a une expertise, il y a un l'argent pour aider le Vietnam. Il dit, monsieur dit, mais il ne pas comprendre. Vous pensez que c'est trois bras puissants qui gagnent l'importation du RIA en Haïti qui fait négliger ça comme ça? Qui finance comment? Qui n'a pas de contrôle là? D'ailleurs, c'est deux bras qui ont un gouvernement pression ici. Oui, l'Europe fait Chelbert, c'est gaz à durer. Mm-hmm. Et c'est ça que fait comme Américain pas qu'à descendre tout, puisque tout sont importés. Ça, l'argent américain pour importer, il n'y a pas venu en goud. Ça veut dire que si on importe en pile du riz, donc l'argent a une pression. Mais c'est autre. Le jour où que nous produisons en pile du riz, l'argent américain a filé descendre, personne ne va nous côté valer. Bon, c'est vous-même qui êtes gros sénateur, PHTK, vous avez contact président, ou pissant, ou plein comme ça, ou c'est planteur, tout, ou plein comme ça. Et l'autre, c'est agriculteur même. Il y a tout fait. Dans le langage créole, là, où tu as dit, sous une grosse patate, à plein d'il craser, puis tu fais la bouille. Ça veut dire qu'en bas là, malheureuse, qui n'a agriculture, pas qu'un monde qui garde eux-mêmes. Laissez pour compte. Non, laissez pour compte. Et l'agriculture haïtienne, c'est un bagage qui est comme d'adou. Mais notez bien, c'est pas avlé ou pas avlé. Yo, pas capable. Parce que pour capable là, je parle d'un bagage Robinson. En pile, mon a plaidé parfaite différence entre un rêve et un projet. Un monde capitaine de me la comprendre bien, ça m'a dit là. Un rêve prend place. Ou pas font rêve, ou rêver d'autres bagailles. Le rêve prend place et le projet se définit. Mais le projet, c'est à partir du rêve-là qu'on est capable de définir. Personne ne peut comprendre pour faire la différence entre le rêve haïtien et le projet haïtien. Ou pour matérialiser le rêve-là en d'un projet. Exactement. Mais ou pas arrêter carrément pour dire ou pas un rêve et pour pas un projet. Parce que c'est le commencement du projet, ce rêve-là. Mais le rêve. À qui est-ce qu'on parle là? À Jovenel Moïse? Non, monsieur, moi, je ne parle pas là, monsieur. Moi, monsieur, je ne sais pas si je me dis pas, monsieur, je parle encore parce que ça pour me dire, ça me voulait faire, ouais, même si je ne parle pas là, monsieur. Vous coupez fâché avec net. Nous ne parlons pas de couper fâché, tout ça veut dire que là, nous sommes net. Parce que ça me voulait la nation en ouais, que monsieur a un problème. Même qu'on est à la. On a une différence totale par rapport à elle. Toute nation en ouais, que monsieur a un problème, je ne vais pas me dire encore de lui. Vous voulez l'aller tout? Hein? Vous voulez l'aller tout? Non, bah, non, logique ça. Ce n'est pas logique à aller à qui est capable de faire une satisfaction parce que Jovenel, pour qu'on ne parle pas même responsable. Vous virez une opposition tout? Non, je ne suis pas en opposition. Comme si moi aussi, on bagarre avec des sénateurs récemment. Je ne pas comme ça, mais on ne pas faire une signature dans un papier à monde facile. Okay. Parce que les paroles sont vont les écritures. Je suis trop contre côté pour aller pour me signer un papier à monde qui n'a pas quand même dit que ça m'a signé. Ça, c'est un. Et puis, je pense que c'est comme d'adou quoi que c'est Jovenel qui est le problème. Nan. Ouais là, clair à tout le monde. Pour le monde qui a mal interprété, je parle de Jovenel. Je ne pas gagner avec elle. Je ne pas jamais gagner avec elle. Ce n'est pas Edmim, ce n'est pas jamais Edmim. Mais il est une mauvaise situation. C'est quand on est prisonnier. Donc, si l'on est en prison, ça me fait. Qu'est-ce qui met tête dans la situation ça? Qu'est-ce qui met tête dans la situation ça? Dans la situation ça? Ouais. Mon cher, ça qui me critique dans le président Jovenel, ou qu'on voit film Bouki à Malicio. Oui, grand pile. Depuis le film Bouki à Malicio a commencé, on déjà connaît que Bouki va l'entendre. Depuis le commencement jusqu'à la fin. Donc, si vous choisissez un acteur, ça ou a toujours souhaité jouer Malice. Et même mon Jovenel, lui-même choisit délibérément de jouer le rôle de Bouki. Comme si je pour lui-même qu'on va gagner un jour. Et donc, président, vous parlez là? Je n'ai pas une métaphore. N'a pas ah, ok. Non, okay. Pas, oh, c'est pas de façon littérale. Littérale, mais on parle de son Bouki. Vous dites là encore. M'entendez, m'entendez. On parle de sa attitude Bouki. On est qui connaît que le bras l'échoué. On dit, jamais le disait là, le bras l'échoué. On ne sait pas ce qu'on fait. Je dis, Bouki, vous avez besoin de sang. Il dit non, il n'y a pas de sang. Et puis, il y a un autre qui dit 40 ans ou 40 ans, bah, venant, il dit c'est ça. Ça veut dire qu'automatiquement, il va réaliser que c'est même sang. Donc, ouais, c'est l'attitude ça, que le gouvernement, que l'État haïtien a qui fait moins d'exposition de Bouki. Et pas sortir du haut, non? Bon, sort là, c'est synonyme. Mais cependant, je ne vais pas le dire comme ça pour respect. Vous mettez un petit Bouki pour vous, plutôt? Pour respect, pour le monde qui est chef. Et puis, il n'y a pas fâché au formal. Tout. Oui, oui. Ou paix? Je ne peux pas payer, je ne peux pas faire mal. Mais cependant, vous connaissez. Les gens qui font mal, ou un qui ont gros bagaille, ou un qui ont un gros zambay, ça, ou un blanc, comme ça. Mercenaires? Je ne peux pas appeler les mercenaires. Et comme ça, prématuré les oui. Oui, les gens qui mal comprennent le dossier après les mercenaires, mais les gens, c'est des gens, et bien, pour l'Allemagne. Comme c'est mercenaires, comme c'est terroriste, c'est pour l'arrêter. Vous voyez la caillou. Oui, bah, bon, d'ailleurs, je ne sais pas si je ne suis pas signé un gouvernement haïtien. Parce que. Moun qui est ce Moun qui est ce Blanco, oui. Blanco.
Moi-même, je tente des observations, mais je ne réponds pas seulement d'après moi. Oui. Nega, nega. Mm-hmm. Même pas, ouais, bah ouais. Et puis à l'arrêter. Oui, on veut que tu aies aller. Et il y a quand même assis. Est-ce que le président Jovenel Moïse a cap qui avec toute pression sur le là pour le faire 3 ans? Non? Il doit faire 100 ans. C'est ça quand tout le monde va comprendre. Il y a un mandat étendu sur la durée et dans les faits. Ou pas qu'à dire parce qu'on fait 100 ans, ou satisfait qu'on fait 100 ans, mais on doit faire 100 ans à faire bac. C'est-à-dire, ils ont conscience pour gagner, pour comprendre qu'il faut qu'on fait 100 ans à faire qui ça. Donc, même pas aller, comme moi, remplir le monde qui fait souci pour la durée de mandat, je remplis le respect pour ça. C'est ça que je ne fais jamais prononcer pour me dire pour un aigle aller en mandat. Mais si un mouvement révolutionnaire qui chambarde n'importe qui, je ne vais pas dire le contraire, parce que lorsqu'on mandat où c'est représentant, il y a un groupe de monde qui vont au yon côté. Si groupe moun sa kapre di yo pa renmen jan ou ap fè bagay yo, excusez un moment ou pa gen le choix. Quelle constitution te dit pour faire 5 ans, quelle te dit pour faire 10 ans? Depuis groupe moun sa yo gade yo wè que dans 5 ans ou ka gen tan touye tout. Parce que yo gade yo wè 50% yo gen tan mouye puis reste la gen ta di oh non 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 non, nou pa kal pi loin que ça. Lè sa ou prend un chambadement. Et ça kapre Jovenel Moïse là? Ça qui arrive, mais Jovenel Moïse a une grosse chance. Ce n'est pas pour tout, c'est lui-même. Moi, tout le monde a battu bravo, dit monsieur fort. C'est parce que monsieur survit près de 6 assauts de populaires pendant en un an. C'est gros, gros, oui. 6, 7, 8, mm-hmm. 17, 18, 20, même Saint-Valentin, tout oui. on fait 7 de février, l'amour. Oui. On 7 février, oui. Monsieur survit près de. Jusqu'à 14 oui, mais où est-ce qu'on fait ça? C'est parce que le peuple haïtien, quand ça l'a cherché. Peuple haïtien connaît que lui-même l'a revendiqué en mieux-être. Mm-hmm. Et puis à chaque fois que peuple haïtien sorti pour revendiquer mieux-être, la grosse série de nègres qui les têtes en opposition, et puis ils courent au point devant. Et puis quand peuple a dit ah, m'a fond un peu. Oui. C'est-à-dire, où que doit être Jovenel a tombé moins 5. Et puis un seul visage paraît dire, par exemple, RFI doit paraître dire, le leader de l'opposition, da, puis ouh, c'est pas ça, me dévoile. Parce qu'au fond, le peuple connaît ça, la chercher et fait différence là, entre revendication là, et revendication là, qui soi-disant décrété que you, c'est des leaders de l'opposition. Parce que sa opposition, vous voulez dire, comme tu as dit, tu as posé une question, tu as parlé répondre nous, si je dans l'opposition, où est-ce qu'on position définie? Quel que soit le monde qui vient à l'encontre de décision dans ces à l'opposition. C'est-à-dire, moi, ma position n'est pas toujours définie à Haïti d'abord. Et moi, ton, pour l'opposition, il faut qu'on l'état faible. Pour qu'il y ait une opposition forte, il faut qu'on l'état faible. Parce que si pas qu'on l'état faible, il n'y a pas qu'un rôle opposition qui a joué pour le vin fort. Donc, faiblesse d'État fait que la situation en janvier là. Et mettons gros confusion dans cette population hein, pour qu'on ait entre ça la revendiquée qui c'est réalité hein, avec ça que moun... Mais en même temps, nous avons l'État qui fait proposition parfois peut-être ça, non? Eh bien, c'est ça, m'dou. Donc, ça prouvait que ça, nous avons vu une sous-question, ça, c'est ça qu'il faut, président Jovenel, et qu'on dit à pire de passer, on crée ma carte du validé décrété avant le théâtre. Parce que c'est pas pour d'où son. Pas qu'on mise en place pour. Bah, m'dou ça arrivé. En pile neg, à chaque fois qu'il a fait politique en Haïti, il a veillé sa communauté internationale. La dit. Communauté internationale, là, nous avons une série de notes qui sortent à la dernière minute pour bailler le temps. Oui. Mais communauté internationale, là, Robinson, regardez bien pour vous, c'est voisinage. Je dis voisinage, c'est famille, mais voisinage, c'est famille. Pour le président, c'est voisinage parce que c'est tout près. Mais si vous arrivez dans une phase où vous avez madame ou un caillou, il refusait de faire l'amour avant. Et puis vous-même, ou dit l'après pour tes voisinages, après ça va dire pas madame Morgan ou pas grand foyer encore. Oui. C'est madame ma voisinage lié. Donc Haïti pas qu'à pour communauté internationale là. Haïti doit gagner un rêve haïtien, un projet haïtien qui fait pour nationaliser un coin, un côté avec un groupe de monde pour dire qu'on a une mission nationale. Tant qu'Israël fait, tant qu'aussi difficile que l'autre pays fait, la Russie fait. Maintenant, sénateur. Hein? Votre responsabilité dans l'accession de Jovenel Moïse au pouvoir, vous supportez, vous faites un travail sur lui. Vous regrettez, Kounia? Je ne regrette pas parce que moi, je vois le président Jovenel comme une étape à franchir vers la solution. Il a fallu, président Jovenel, pour nous dire vrai que Haïti a une faiblesse qui de cette dimension et que pour réveiller tout Haïtien, pour capable de venir dans la logique de nationaliser un coin de terre pour dire qu'on est une nation et on a une vision. Mais, je n'ai pas de regret que. Vous n'avez pas de regret, mais c'est déjà une fois que vous avez fait, non?
non, pendant même temps, ça qui a différent, c'est le timing. Non? Mm-hmm. Puisque lorsqu'on monte un escalier pour aller vers un étage, ou pas mettre plusieurs fois sur le même niveau. Oui. Non, même niveau. Donc, on va aller vers une autre décision. Parce que pour Haïti, il faut tout le temps faire une démarche. Mm-hmm. Donc, on est capable de démarcher mal passé, mais deuxième étape-là, il faut faire, puisque on va aller vers le haut. Au compte, qu'est-ce qui te baille, Jovenel Moïse, Premier ministre Jean-Rissé? Oh oui. Qui est-ce que c'est? La classe possédante. Oh. Le secteur privé des affaires. Oh. Et ça... Qui sont au café ici? Gardez bien vous. Hein. Mm. Pour être capable de faire CEP, il faut consulter en tout premier lieu le secteur privé des affaires. Moi, je dis ça. Quand la rue a 6, 7, 8, crasé, tête chargée, on va consulter le secteur privé des affaires. Et quand il faut faire les élections, il faut encore consulter le secteur. Et ce secteur privé des affaires, c'est une. Ah, c'est un bagage qui est simple, qui est clair, que ça qui passe en Haïti, là, pas l'affaire des gens pauvres, ni l'affaire des malheureux, c'est la guerre des avoirs. Donc la guerre des avoirs, on n'est pas capable de jamais questionner le monde qui a fait là, et puis on regarder les soldats qui a fait là. Mais c'est peut-être ça que fait Jovenel Moïse, pas jamais entendu avec Jean-Rousseau. Il n'y a pas jamais entendu, parce que probablement ils ont un même patron. Ils ont des mêmes patrons. Parce que ça, ce n'est pas le monde qui gagne honte. Mais le patron, on a mis au chital, dit, écoute, tu es Jovenel, écoute, tu es venu au chital là. Oui. Entendons-nous. Oui, mais ça, c'est dans le cas où le patron a entendu. Mais quand il y a un ami, le patron a un gros gourmet. Gardez bien pour vous. Le patron a divisé en des nègres, certains qui ont fait hijack sous le pays, le Jean-Jacques Dessalines a assassiné, et une autre quantité qui est venu 100 ans après. Donc, quand il y a la guerre, ou regardez, comment il est, et qui dit le président Boulos. Il dit. On le dit pour le président? De bon, regardez. Retenons à voir. Je suis toujours l'aime de son bagaille. Je suis toujours à bagaille. Je parle avec lui, il dit le bagaille. Oh, malice, oui. Entre Bouquet et malice, malice, Abdou, ça le va le faire. Oh. C'est si Bouquet a fait ça, l'a fait là, d'après moi, c'est pas pour malice. Nous ne pouvons pas comprendre ça, on veut dire. Oh. On bon? Mais ça veut dire Bouquet a travaillé pour malice? Évidemment, puisque malice en fin d'histoire, là, malice a gagné quand même. Regardez, vous voyez, c'est pas M. Cap malice, ça. Ok. Même si vous avez fait comme d'adou et Abou, mais je. Pas bien d'aller comparer Jovenel avec Bouquet, non? Oui. Et Boulos Eliane qui est malice. Oh. Et c'est la pays d'Haïti qui fait tout le monde comprendre. Vous avez Jovenel Moïse a travaillé pour lui? Attendez, Bouquet pas travaillé pour malice, non? Mais Bouquet, je joue un rôle pour malice gagné. Oh. Au fond, indirectement, Bouquet travaille pour malice. Mm-hmm. Et si ce n'est pas, alors malice ça par mais contre. Mais non, c'est bon bouquin et tout. Donc, nous tous qui même qui semblent à Jovenel, nous bouquin. Parce que c'est l'idée des représentants des bouquins. Puisque nous chita, nous croisons, nous croisons, et puis nous quittons l'affaire le janvier. Et puis nous est là, donc ils représentent les bouquins. Et regardez pour la quantité qui représente malice, vous les représentez. Et puis nous voyons aussi à la dernière minute, ce n'est pas malice qui a gagné. Moi, je suis fatigué avec ça, Jean-Lier. Son système pour m'imposer mes ladans, pour poser des questions et pour résoudre les. Mais il faut que les gens intelligents posent des questions. Parce que c'est pour les gens qui ont égaré qu'ils ont fait là. Ce n'est pas les gens qui ont dit que j'aime les gens qui ont couru sous lui comme si ils ont crasé, ils ont boulé tel banc. Parce que la violence que la population a affichée, c'est des violences provoquées, nourries par des gens qui connaissent bien ce quel rôle peut jouer la violence dans la destruction d'une nation. Puis ils prennent le peuple pour coupable. Puis après un peuple là, et c'est ça que fait aujourd'hui à m'a félicité la police des fois, qui rivant face peuple là, mais qui pas mette fusil sous peuple là, j'ai été qu'on mette longtemps. Parce que peuple là, victime deux fois, là où est que lui rivait en face pour le faire violence, sans pour le répondre à la violence qu'il a fait sous lien, et puis qu'on est là, il a condamné pour violence par là, et entre temps, il a battu bravo pour l'autre. Est-ce qu'on a sorti dans la situation ça, sénateur, oui. Avec Jovenel Moïse au pouvoir? Non. Jovenel, son étape vers solution, mais pas qu'à. Il va gagner un bout de crâne dans la boîte. Oh. Il va gagner face à Supreme Bouche. Ça veut dire qu'on est obligé de 33 ans avant de passer dans la boîte. Il est obligé de 33 ans. Le temps, c'est seul ça nous permet. Nous pas mettre temps. Donc, bon Dieu, bon rôle pour le jouer dans le temps, qui le, qui j'en. Donc, là et la manière, c'est bon Dieu qui va le définir pour nous. Mais l'affaire de Jovenel, moi-même depuis 6, 7, 8, je suis dit, et je suis dit là avant déjà, le rêve, le projet Jovenel, pas qu'à un projet qui élément de solution. Tu vois, mais cependant. Et nous-mêmes dans le Sénat, comment nous entendons contribuer pour que nous. Nous venons sur le Sénat. Où est-ce que si pays a Jean lié là, c'est le Parlement qui cause. Parce que c'est le Parlement qui a la donne des représentants du peuple. Si vous avez fait travail peuple là, le peuple n'a pas même besoin de la rue. Si le Parlement a fait travail peuple là, comme il faut,
peuple n'a pas besoin de prendre la rue parce que mais, sous vous, vous n'avez pas besoin de sortir à l'église là-bas. Mais nous, parlement, sénateur, pas qu'à jouer en Kenwall, puisque c'est vous-même qui êtes en pouvoir, c'est vous-même qui êtes exécutif là, ou vous êtes dans des lycées, ou vous êtes dans des lycées, sénateur Willow Joseph là, qui t'a dit, mais tout ça, sénateur Guéen. C'est même jouette là. Ah, parce que c'est moi-même. Moi-même, ou t'as un homme dans l'histoire. Mando, Mbozo, Mando. Non, regarde. Il y en a qui connaît les gens qui disent ça, je me dis là. Hein. Parce que je connais ces différences qui gagnent entre l'être et l'eau Mayoc. Il y a la même couleur, mais il y a un petit fille alors, il y a un nourri. Ça va être l'eau Mayoc qui a boué. Tout le monde a fourré maintenant l'argent de l'État. On parle de chanter maintenant. L'argent de l'État, ce n'est pas l'argent maman, ce n'est pas l'argent papa. C'est pour faire l'hôpital. Moi, si je chante, je ne peux pas ajouter à tout le monde. Tu ne peux pas gagner un homme. Moi-même, je ne peux pas gagner un homme. Regarde, tu as un homme dans Petro-Caribé. Et pas pour date, je suis bien avec vous. Je suis bien avec vous, je suis Michel, je suis tout le monde. Tu as un rapport, Jacques Sauvageant, de loin ou de près. Et là encore, moi, je prends précaution pour ne pas quitter le rivière. Je préfère lever la vérité au début et puis me courir avec elle. Même pas quoi dans ma vie. Et mon position qui est claire. Ouais. Pour revenir à cette histoire de Parlement. Au Parlement, il y a une pression. S'il y a la guerre des avoirs, donc même les gens que les grands barons des avoirs ont des yeux sous l'exécutif, ils ont des yeux aussi sur le Parlement et aussi sur la justice. Ou quand ça, nous avons au cap, non, bagaille qui t'a fait, ils ont explosé gaz lacrymogène sous moi, ils ont tué les gens, ils ont dit soldats, ou j'aime moins la justice comme sénateur de la République. En comme si on sénateur de la République, tout fait moyen. C'est même Jean Mté, je me change, je me dis que ça. Puis quand les théoristes écrivent n'importe nous, nous ne parlons pas de gens pour nous réveiller. À part n'importe aujourd'hui, à personne ne parle de nous réveiller. Ils veulent réveiller tout le monde, mais cependant, ou ouais, que on reconnaît la taille d'un pays à travers sa justice. Le pouvoir judiciaire est aussi en otage dans les bras de ces bandits. Le pouvoir législatif aussi est en otage dans les bras de ces bandits. Le pouvoir exécutif est en otage dans les bras de ces détourneurs d'avions, de ces kidnappeurs de pays. Et la guerre des avoirs mettait nous dans Hing-Hang, au sein même du Parlement, où on a besoin de deux camps. Et entre l'exécutif et le Parlement, où on a besoin de Goumen. Mais cependant, c'est pour le contrôle. Parce que le problème, Robinson, ce n'est pas politique. La politique vient constituer un outil pour être capable de résoudre le problème, mais le problème est d'ordre économique. Est-ce que Jodan Blaise est capable de sortir avec le comité de facilitation pour le dialogue ça? Konajek, comme tu dis tout à l'heure, pour vous, le Jean-Claude te fait coordination action Jean-Claudisme, il fait choix dans une série de monde que le fil qui vient prôner le Jean-Claudisme. Ça veut dire qu'il y a une stratégie comme ça qui définit clair pour tout le monde qui va rentrer là-dedans, mais qui ça nous va le faire? Là, on va le dialoguer, Robinson. Là, on va le dialoguer. On va le besoin qu'on s'en pense, soit pense. En toute sincérité. En toute sincérité, pour nous capables, ouais, qui gens que nous quatre débouchés en satisfaction pour ni moi ni où. Mais là, on dit, nous va le dialoguer pour que nous fassions téléphone. Non. Ça veut dire, ou bien dialogue, mais en directive. Ou dit, c'est téléphone, nous va le faire. Dans le dialogue, ça est clair, qui va le déboucher sur le gouvernement. Donc, ça veut dire que le gouvernement, c'est une façon de dire que nous allons refaire le gouvernement, pensant que c'est refaire le gouvernement problème. Non. Même Jean-Jacques Guy Lafontaine là, il était compris avec Jean-Henri Séan un nouveau gouvernement, et nous n'avons pas compris avec l'autre gouvernement. Mais le problème, après, été n'a pas ce gouvernement en gouvernement. Ce problème n'a pas posé dans le dialogue franc. Bon, pas même besoin de dire franc. Puisque dialogue, pour les gens qui ont un mot composé, dialogue, il doit définir tout le bagage là-dedans. Vous n'avez pas besoin de dire dialogue franc, honnête et bagage. Parce que vous dites ça, vous avez besoin de passer. C'est quoi les balles faire élection ici? Oui, élection, élection définie claire, que son démarche démocratique qui doit gagner là-dedans, tout ce qu'on dit là. Donc, quand on est là, vous avez parlé de dialogue franc, vous mettez connaître ce type de dialogue, ça peut le faire. Ou quand vous position Charles Suffoy, mais moi-même qui suis de la même école de Charles Suffoy, je savais qu'il allait faire observer un retrait. Et même les même gens, l'Église était fait là en certain moment. Ces gens-là se révèlent invivables. Donc le monde invivable. Bon, attendez, je ne parle pas de question, je ne parle pas de journalisme, mais on est à vous poser une question. Si chaque fois je parle à vous, je me menti, pour que ça pour un jour, je me crois à la vérité. Donc, quand je vais aller. Et ça arrive avec Jovenel Moïse? Pas même à dire, monsieur. Parce que, pour changer bien, je ne suis pas de problème encore, parce que. Il y a un monde qui est dans la situation Jovenel, ou pas un café pour lui qui prend pitié. Oh. Bon, vous parlez ça. Parce que tu as mis dans le passé, son monde. Pitié. Pitié. Et pitié de lui. Oh. Parce que regardez, il a transféré Negio aux États-Unis, il a acheté Rome, il a pris les rivières, distribué Rome, il a qui monte en avion. Qui a expliqué, c'est un voyage vers le New Orleans et que tout c'est théâtre.
cap motier n'est que une équipe solide avec eux passer tout le et puis on est à la dernière minute où je le président on pas connait n'est galé non mais cependant le chaque fois américain faut que mon suspende pour américain mal ou qu'on américain qui j'en lié de pour qu'on sauve le baoul mais qu'on dit qu'on demande au sauve l'audi ou pas connait le bon sauve mais même ça me connaît dans américain yon américain ou du moins l'état ou gouvernement américain gon mentalité depuis le posons question là au sauve le ou dit le fait papier blanc là aller aller li bon fait papier blanc parce qu'on connait sauve mais nous bon pays que nous pas connait ça nous voulez moi pas bon un petit exemple même sous pressé même pas bon un petit exemple on prend un pas pressé nous dans miavo ah au moins attendez moi connait qui m'en descend dans l'heure dans on machine en bus et puis qu'on chauffeur taxi qui va m'emmener là caille et puis on est là moi dit monsieur combien coûte là monsieur dit ah c'est pas tellement fier ou gérer me dit monsieur non faut dire combien coûte là de côté mien là à la caille moi je dis ah ça mon cher monte mon cher me dit moi monsieur m'a pas le prendre monsieur bien monter derrière moi toi nous arriver là arriver on compte combien coûte là moi aller 10 dollars dans poche même monsieur 10 dollars je dis ah la pas ça là ou là comprendre que monde que ta voix ici me dit ouais si nous te définis à l'avance combien cob coûte là je dis m'tape ou t'ap content mais mon nous qui adresse comme ça c'est monde qui essayer prendre bonne grâce pour faire passer pour égarer donc là on fait ça avec américain il faut même barrer là tout il faut aller parce que même par exemple d'après vous même américain au transférer c'est américain qui bail pression pour transférer là américain bail pression pour transférer par contre qui gens bail pression pour transférer ça mérite le débat qu'il vient chercher à faire lui. L'Amérique a bon pression pour prendre Affel ou qu'on citoie américain dans mon ou pas connait le Pyongyang a discuté avec américain ou il y a un prisonnier américain en ou 6 5 américains ou 10 prisonniers c'est mercenaires et puis c'est nèg yo même qui relé américain vous dit s'il vous plaît même moi accusé 6 américains là yo prend nèg mes amis à la demande une fréquence ça papa c'est comme ça on parti dans gouvernement pas accusé on l'autre parti à la demande une fréquence permettre aux américains merci de mes amis nous pas saisi vinn prendre nèg non et puis connait à la nèg c'est des citoyens américains oui ambassade là pas dit pas besoin yo donc il voyait pas même ambassade là non il voyait un monde dans consulat à regarder qui ça va passer. Mais il y a des citoyens qui ont accusé de mercenaires de ces américains pour compte pas saisi. Même qu'on y a là, nous mettons pas parce que moi-même, mes amis, moi, je vais être américain. Il y a des gens qui résident dans nous ne pas tous les résidents. Mais Haïtiens, nous mettons quitter le parce que nous même n'a pas la vela après. Parce que, ou ne pouvez pas comprendre ce qu'ils ont là, non? Nous sommes demandés pour vous chercher un médecin pour vérifier l'état de fonctionnement de pour payer à pas plus loin que le bras là, parce que c'est un monde fou. Sénateur, merci beaucoup. Moi, je vous remercie. Voilà, évidemment. À ce soir, c'était sénateur Jacques Sauveur-Jean. Une émission en deux temps. Nous avons pu partir assez avec agriculteur là, nous avons parlé. Nous avons planté du riz dans nos destins, nous avons parlé. Et dans le deuxième temps, c'était politique là qui est ensemble avec nous. Merci. Restez sur TV dans Croisons l'autre. Bonsoir.